c'est qu'il y a un signal qui sera envoyé à un moment donné à tout le monde pour dire c'est à partir de maintenant, le même jour, à la même heure, qu'on démarre dans la grève, parce que mettre le pays à l'arrêt, ça veut dire en effet des journées de grève reconductibles, et pas simplement dans les secteurs qu'on attend. Je vous dis une fois de plus, ce qui se passe dans l'industrie, dans le privé, est extrêmement important et à suivre, et aussi par des manifestations, et aussi par des actions. Mais l'objectif, il est là. Mais c'est ça, monter d'un cran. Ça veut dire en effet, à partir du 7, on cherche à mettre la société à l'arrêt. Et ça veut dire que tous ceux qui nous regardent, il ne faudra pas simplement se contenter de dire tous les cœurements qu'on a de ce projet-là, il va falloir qu'on y contribue tous et toutes d'une manière ou d'une autre. Le risque pour le gouvernement à avoir focalisé, parce que c'est eux qui ont décidé de le faire, focaliser la bataille sur les retraites, c'est pas nous, c'est pas moi j'y suis pour rien. C'est eux qui ont décidé d'enclencher la bataille sur ce sujet-là, c'est que tous les autres sujets finissent par s'inviter. Salaire, services publics, et puis la question d'un ras-le-bol général des inégalités sociales.